Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Subnautica, j'espère que vous allez bien et que le dernier épisode vous a plu. Mais oui, c'est le principal, hein. Si ça vous a plu, c'est le principal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, vous m'avez dit plus ou moins où trouver les grosses baits. Donc moi, je vais bien y trouver les grosses baits. Donc il y en a qui m'ont dit, faut aller à côté, dans les abysses, à côté du Simoth. Et il y en a d'autres qui me disent, c'est à l'opposé du Simoth. Welcome aboard, Captain. Oui, je regarde à la droite parce que... Bah, peut-être à gauche, non, droite. Bref, moi c'est à droite et parce que je regarde si le son est pas trop fort. J'espère encore une fois que le son n'est pas trop fort. Wouhou! Et aujourd'hui, petite innovation, j'ai mis... Ouais, bah, comme vous voyez, forcément. Bah, j'espère. Si ça n'a pas marché, bah, vous demandez de quoi je parle. Du coup, là, une petite face cam, parce que comme ça, moi, ça va. Ça fait un petit peu le truc original. Mais ouais! En plus, ça fait un peu de fluidité. Bah oui, normalement, ma caméra est fluide par rapport au jeu. Et ça c'est pas banal. Bon, alors on va retourner à côté de l'Aurora. Attendez. Est-ce que j'ai des munitions? Attendez, on va sauvegarder déjà. Ça me paraît une bonne idée. On va sortir de ce véhicule. Nous allons regarder... Non. Je voudrais regarder si j'ai des munitions. Non, c'est pas ça. Ah oui, j'avais mis un deuxième pour voir si ça allait plus profond, et en fait non. Alors je sais pas si j'avais fait ça avec vous. Est-ce que j'ai encore... J'en ai deux. Ok. Je pourrais peut-être me défendre un petit peu, on verra. Oh là! Où vais-je? Par là. C'est parti. Bon déjà, si on trouve pas de méga truc de la mort qui tue... J'ai sauvegardé, hein, parce que j'imagine que je vais mourir, j'ai pas envie de recommencer à refabriquer mon Simoth, donc... je rechargerai la partie... Ah, je cheat? Et alors? Où est le problème? Alors, on va aller par là parce que je sais que il était par là l'autre naze. Donc j'ai préparé mon tir. Je suis sûr que ça fait mal à personne en plus, cette roquette là. Parce que c'est juste un petit vortex et j'ai pas l'impression que ça fasse grand mal. Donc là je vais... Je vais mourir. Je commence déjà à me chier dessus. Il va m'arriver par derrière, je vais même pas le voir arriver. Où es-tu? Fais pas le malin! Là! Donc lui c'est un des méchants, mais c'est pas le plus gros. Et toi? Je sais me défendre, tu sais. Prends ça! Il m'a vu? Il est où, mon... Il a pété mon vaisseau. Bonjour. Ah, il est là, il est là. Vite. Vite, 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 vite. On se barre. J'ai plus rien pour me défendre. Ok, il nous a attrapé, mais il ne nous a pas tué. Ça, c'est extraordinaire. On va rentrer à la maison, je pense. On va refaire un petit peu des munitions et on va passer de l'autre côté. Hein? Mais vous l'avez vu de près, voyez-vous? Ah, finalement, hein, ça lui a fait lâcher prise. Je suis assez content. Donc, ça, c'est un moyen monstre, on va dire. D'après ce que j'ai compris. J'ai jamais vu plus gros pour l'instant, moi, dans ce jeu. Mais on va dire que c'est un moyen monstre. Un moyen monstre. Je sais pas si ça se dit, mais moi, je dis que c'est un moyen monstre. Bon, nous, on va rentrer à la maison. On va faire des roquettes. Les roquettes de l'amour. Mais les autres, en fait. Il y en a plusieurs différentes. Non, j'en ai plus, je crois. Hein. Si je me rappelle bien, j'en avais deux. J'utilisais les deux. Pour faire des roquettes, tout simplement. Je vais vous faire voir comment on fait. Faut aller dans le petit truc magique de l'amour. Coucou. Ah ouais. Attendez, on va réparer aussi un petit peu le véhicule. Hein. Parce que je sens que j'ai oublié. Et ça, ce serait pas cool d'oublier. Et voilà le travail. Y'a un bug! Wait, 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 wait! Non, ça s'arrête pas. Hein. Y'a des... Je vois un flash blanc devant mes yeux. Mais ça suffit maintenant. On se calme tout de même. Donc c'est pas ça, c'est les roquettes. Alors y'a les vortex. Alors y'a le vortex du Simoth, de Simoth, qui s'en fait froid 3. Et y'a le Simoth gaz torpedo. Load this to the torpedo bay. The forward section your Simoth. Bon, il faut du titane et du gas pod. Ah, j'ai pas du gas pod. Je sais pas ce que c'est que du gas pod. Bon, on va juste aller chercher du titane, je pense.
Parce que je sais pas ce que c'est que le gaspod. J'en ai jamais eu, je crois, du gaspod. On va regarder, mais en même temps, c'est marqué en anglais. Alors, si mon item est en français et que il m'explique le machin qu'il me faut du gaspod. Non, je pense pas. J'en doute, si vous voulez mon avis. Mais je vais quand même regarder si j'ai pas du gas mode. On boit un petit coup. Et on regarde si j'ai pas du gas mode. Mais je ne crois pas. Qu'est-ce que c'est que du gas mode? Franchement, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je vais prendre chaque truc quand même. Attendez, est-ce qu'on peut le voir dans le truc ce que c'est que du gas mode? Alors, du gas mode est demandé. Le petit gas mode. Non. Je sais pas ce que c'est, hein. Je regarde si c'est là-dedans, même, c'est pas possible. Non, je sais pas ce que c'est que du gas mode. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, ou alors j'en ai pas encore trouvé. Mais bon. Donc il me faut du titane aussi. Parfait. J'en prends un petit peu. Normalement, ça va faire froid 3. Je sais pas qu'il en fallait combien, je m'en souviens plus. Bon, on va passer par la flotte parce que c'est plus rapide. Wouhou! C'est la vie! C'est parti. Hop, on ramasse ça. Et on fait... Pas 3 roquettes. Mais bon, vu comment ça a terminé cette histoire, ça sent pas bon. Bon. On retourne dans le Simote. Je pense qu'on va faire une petite ellipse. Je regarde le temps que ça a duré. Ouais. On va faire une petite ellipse sans retourner. Pas du Simote, mais à côté de l'Aurora. Je vais mettre ces fameuses bombes dans le truc. Elles sont où? Là. Je mets ça. Je retourne vers l'Aurora. Avant, juste regarder, mais je vous fais pas voir. et je suis à tout de suite. Je suis à vous dans 30 secondes. Allez, à tout de suite. Ah oui, à tout de suite. Ok, on est du côté de l'Aurora. Donc on m'a dit d'aller dans les abysses du machin. Donc on va aller très profondément, pas loin de l'Aurora. L'inquiétude commence à se lire sur mon visage. J'ai un petit peu peur. Bon, il y a lui là, mais il va me saouler. Donc lui on l'a déjà vu, donc il va aller voir ailleurs si j'y suis, pour tout. C'est très important. Oh, j'ai tiré comme un benet parce que je suis couvert de boutons. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il s'est perdu ou quoi? Donc là, je suis en dessous du vaisseau. Ah non, là, on m'avait dit aussi que dans la lave, il y avait aussi des... Il y avait un monstre, mais je l'ai pas vu, du coup. Alors, soit j'ai pas de chance... Soit j'ai pas de chance. Ah! Petit sursaut de magique. Bon, ok, on peut pas aller par là. Ça fait du bruit. J'aime pas les bruits. En fait, j'ai peur à tout moment de me faire harceler par un truc. Bon, allez, on va ressortir. En fait, je vois pas où je vais. Et je ne supporte pas. Pourquoi j'ai peur? C'est qu'un jeu après tout. Arrête d'avoir peur. Imbécile. J'ai les jetons. Mais ça va bien se passer. On le voit de loin ou pas là? Fait tout noir. Fait tout noir parce qu'il fait nuit. Ah, oh, la misère. Ah non, bon, il fait presque tout nuit. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ah, les moteurs, regardez. Ça pas de ça. J'ai même pas fait gaffe la dernière fois. J'ai les jetons. J'ai les boules. J'ai pas envie de tomber sur un gros monstre. Surtout qu'on voit rien. J'aime pas rien voir. Bon allez, je descends. Y'a quelqu'un? Il y a un monstre, c'est bon, ça fait gru-gru, c'est normal. C'est celui qu'on connaît normalement. Ah, j'espère. Bon, allez, on y va. J'ai sauvegardé, ça fait pas peur. C'est pas un jeu qui fait peur. C'est un jeu avec des gentils petits poissons.
Super, on voit rien. Il y a un gros machin qui fait gru gru, on n'a pas peur. J'essaye de me convaincre. Là, il y a une espèce de crevasse magique qui fait pas peur non plus. On passe par la crevasse. Wow, wow, wow. On peut descendre? Moi, je vais me bloquer, moi. Voilà, on descend. Mais j'ai peur de rien. Je suis un Américain. Et c'est les abysses, là. Et je vais descendre pour rien et on va devoir remonter 10 ans. En fait, ça fait un petit peu penser à un survival horror qui existait. Bah, pas survival horror, hein. Un jeu d'horreur où en fait on faisait que de descendre, fait que de descendre, fait que de descendre, il se passait rien. Mais t'avais les jetons. Et là, ça va être la même. C'est les abysses. Et y a rien, comme on avait dit dans les commentaires. Et là, je dis, why not? Il y a encore un épisode où il va rien se passer. Et vous n'auriez pas tard. Wow! Bon, bah, je suis au maximum. Ellipse! Bon, je suis rentré à la maison. Donc on est bien à la maison. Ah, je me sens beaucoup mieux. À l'abri de tous ces monstres immondes. Mais le pire, c'est qu'il se passe rien et moi, j'ai les jetons. Alors, je sais pas si vous avez les jetons aussi, mais je pense pas. Parce que vous avez pas le casse dans les oreilles à attendre un truc qui vous scream sur les... qui... Un gros screamer. Ah, gros monstre! Et donc là, vous l'avez pas et vous avez bien de la chance. Je suis rentré à la maison parce qu'il faut que je mange et tout ça. Je vais attendre qu'il fasse jour un petit peu et je vais faire l'autre conseil qu'on m'a donné, c'est-à-dire d'aller à l'opposé de l'Aurora. Donc j'ai essayé le coup des abysses et on va essayer maintenant d'aller à l'opposé de l'Aurora. C'est très simple, vous allez voir. Ça mange pas de pain. Alors par contre, je suis encore paumé hein, dans cette maudite... Alors que c'était pas compliqué, il fallait juste que je monte et que je me retourne. Voilà. Tout simplement. Ça, je sais même pas si ça se mange. Ah bah du coup, trop tard. Une fois que c'est planté, on peut plus récupérer, on dirait. Ah si. Je vais le manger. Oui, ça se mange, mais ça se cultive pas plus que ça. Ok. Parce que je l'ai déjà planté, et à chaque fois, ça donne pas d'autres fruits. Vous avez vu ça? Ça s'appelle un bug. Bon, donc on va aller à l'opposé. Ça m'énerve d'y aller de l'île. Oh, je suis encore perdu. Ah non, faut juste que je descende. J'ai mangé, c'est bon, et bien. Ok. J'ai juste attendre qu'il fasse jour. Et je pense qu'on va y aller. Par contre, on sait pas. Alors, ce qui est dommage aussi dans ce jeu-là, c'est qu'on sait pas l'heure. Alors, je sais pas à quel moment il va y avoir du jour. Mais ça risque. Ça va pas tarder. Ah bah, c'est bon, ça commence. Donc, l'Aurora est roux. L'Aurora est roux. Peut-être. Alors. Il est où l'Aurora? L'Aurora, il est là. Donc, faut que j'aille à l'opposé de l'Aurora. Donc, l'Aurora est là. Donc, je vais juste me retourner. Et je vais aller par là. C'est ça! Et je vais aller tout droit. Bon, alors je vais vraiment aller à l'opposé, opposé. C'est ce que j'ai bien compris. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que j'ai cru comprendre dans les commentaires. Où étaient les gros... J'ai demandé où étaient les gros monstres. On m'a plus ou moins dit où vous étiez. Et normalement, il y en a un par là. Donc on va y aller. On va rester. Alors je sais pas s'il faut aller super profond ou pas. On espère que non. Je savais pas que j'étais aussi à... Avant qu'il ait bougé l'Aurora, mais... Je m'étais pas rendu compte que j'étais autant à décalé par rapport à l'Aurora. Alors j'y vais pas avec le Cyclope parce que... Pourquoi? Je sais pas en fait. C'est vrai que je pourrais y aller avec le Cyclope. Je sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'il est plus rapide le Cimote. Je sais pas si c'est qu'une impression. Donc j'y vais à l'opposé. On est totalement à l'opposé. Donc c'est le moment tout attendu de rencontrer notre créateur. Oui, en général c'est pour dire on va mourir. Mais oh! Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce? Si tu m'attaques, tu dégages! Alors, on peut entrer là-dedans. Ça s'ouvre ça. Ah, c'est scellé. Ah, c'est vrai que je l'ai jamais fait voir ce truc-là. J'ai un cutter laser. Et grâce au cutter laser, je peux ouvrir les trucs. Allez, pchit. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Je suis en train de cutter le machin. Ça met beaucoup de temps, donc du coup, je crois que je vais pas avoir le temps de tout ouvrir tout de suite. Je vais devoir remonter à la surface pour... Ou non, ouais, dans le Cimote. Accessoirement. Donc on fait des trous, c'est mal fait, hein. Oui.
Mais bon, c'est une early access. Donc on va ouvrir. Du coup, je sais même pas si on va avoir le temps de faire le truc du monstre. Allez, c'est extrêmement long. Hein. Voilà. Ah super. Ah bah c'était très utile. Félicitations. J'ai envie de dire que c'était la chose la plus utile qu'on ait jamais faite dans ce jeu. Ah, je suis content. Bon bref, peu importe. Donc vous avez vu, en gros, on peut ouvrir des trucs. En général, ça nous permet d'aller trouver de nouveaux objets. Ok. Bon, ça c'est fait. On repart donc à l'opposé de l'Aurora. Donc il est où l'Aurora déjà? Moi, je l'ai un peu oublié cette histoire. Il est là, donc on va à l'opposé, c'est par là. Allez, go! J'irai tout droit jusqu'à retrouver cette immonde créature qui se fait appeler Titan. C'est quoi ça? Arrêtez avec les bruits quand même! C'est très agaçant! Vous entendez pas aussi bien que moi, mais je devrais augmenter le son rien pour vous entendiez. Oh là là, il crie fort en plus, hein. Silence. Je peux plus vous entendre. Encore des îles flottantes. Est-ce qu'il me voit direct ou il va me démonter? Il va me... Je suis vraiment qu'une flippette. Ça suffit Est-ce que c'est encore un abysse infini? Non. Ce n'est pas un abysse infini. J'ai très 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 peur. Ah, il y a des volcans. Encore vous? Mais ça suffit, ah non, avec des bruits! Je sais pas, j'ai peur! Il y a des petits volcans malicieux. Arrêtez de m'attaquer! Je vais juste trouver un gros monstre. Et après, je m'en vais. S'il vous plaît. Oh, il y en a partout, hein! C'est agressif ici. Ferai moins les malins quand il y aura le gros monstre. J'ai peur, j'ai les boules. Hein. Je suis en panique. Je suis à deux doigts d'enlever mon casque pour pas avoir peur en fait. Oula. Il y a des volcans quoi. Ouais, mais c'est les monstres habituels là. Là, je retourne en arrière. Oh là là là, il est lourd quoi, il me crie dans les oreilles. C'est fini ouais. Tiens, mange ça pour voir. Ah, j'ai raté. Pas grave. Y a rien ici. Va falloir que je remonte. Je remonte en tournant la tête. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était ça. J'en peux plus. Qu'est-ce que c'est? Nouvelle île? Ah non. Déception. Oh là là, on a compris, on a compris. Oh là là, elle est lourde. Bon. Je sais pas combien de temps ça va durer cette histoire. Ah! Mais ça suffit de me crier dans les oreilles, hein! Donc il y a des îles flottantes. Je pense qu'il y aurait un autre bruit s'il y avait un autre monstre. Un rocher, ça, c'est quoi? Non, c'est un monstre. Ah, pardon. Il y a eu un bruit. Il y a eu un pchit. C'est une autre île, ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une autre île. Coucou. Ah bah on a trouvé une autre île. On va aller voir ce. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Vous savez quoi? Ça va me déstresser. Je sais pas du tout combien de temps va durer l'épisode. J'ai entendu un bruit, c'est pour ça que j'ai été retourné voir. Bonjour! Bonjour, bonjour! Je viens en paix.
Je vais prendre du lithium, hein. J'espère que ça ne vous dérange pas. Le lithium. J'aime ça. Ah, j'ai trouvé une nouvelle île, je suis assez content de moi. On dégage, toi. La nouvelle île. Il y a quoi dans cette île? Il y a une grotte. Bonjour, la grotte. Oui, je dis bonjour à tout ce qui passe. Il n'y aurait pas un monstre dans cette... What? Alors, les labyrinthes à la membre moelleuse, ça je connais. Donc, j'ai certainement pas y aller à la nage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette île? Ça suffit, Bon, cette île-là, elle flotte pas, par contre, j'ai l'impression. Ah, t'es caissier à se fouetter. Oh, j'ai un doute. Dégage! Oh, j'ai plus de power! J'ai plus qu'un pour cent de power! Oh mon dieu! Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va se sauvegarder ici. Et après, je continuerai tout droit dans le prochain épisode. Pour essayer de retrouver ce fameux monstre gigantesque. Il y en a plusieurs. C'est ce qu'on m'a dit. Mais moi, j'en ai pas vu plus que... Bah, pour l'instant, moi, j'en ai pas vu. À part l'autre là qui nous a attaqué au début de l'épisode. Donc, je pense qu'il y aura, il restera peut-être plus qu'un épisode pour cette série sur Subnautica. Si vous voulez en voir plus, bah... Eh, hey, mais qu'est-ce qu'ils font, là? Meurs! Ouais, donc si vous voulez en voir plus, vous avez juste, en fait, à me dire ce que je pourrais faire, en fait, à part ce que je fais là, parce que là, j'ai fait tous les crafts utiles, en tout cas, il y en a beaucoup d'autres que j'ai pas fait, mais... Bon, bah, voilà, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour, en tout cas, avec vous, pour l'instant, parce que, bon, c'est... Soit j'attends une nouvelle mise à jour pour voir ce qu'il y a de nouveau. Et puis, du coup, on y va. Hein. On y va tous ensemble. Ou soit... attendez, je visite quand même en même temps. Hein. Ça va où, ça? Dans le trou de tal. Oh, bah tu voles, mon petit kiki! C'est mignon! Et donc, oui, donc c'est soit vous me donnez un objectif à faire, parce que à part trouver les monstres, je vois pas. Je pense que si dans le prochain épisode, j'insiste et que j'ai quand même fini par trouver ces maudits monstres quand même. C'est quand même fou cette histoire. Ah d'accord, donc je suis tout en haut. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas, comme d'hab, le petit j'aime du commentaire, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas de partager, ça pourrait vraiment être cool. Je vous dis à la prochaine les amis. Ciao !